Let's go, Colo! Let's go, Colo! Go, 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 go! Ouais! Ça te manque, tu t'es gagné! Nul à chier! Ne prenez pas de photos avec lui, attention! C'est le manager Colas disparaît qui plante ma gueule. Yo 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 les gars, ça y est, c'est le jour J. Départ pour la GA aujourd'hui. Mais avant ça les gars, petit boulot matinal, hein, on n'a pas le choix. On doit le payer le voyage, hein, de billets de train, etc. Enfin les billets de train, parce qu'ils sont beaucoup. Trois fois plus de train, trois fois plus d'hôtel. Bah même toi, même la voiture. La voiture a dit Belleg. La voiture a dit Belleg. 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 Alors, on va mettre le 3 ici. Après, on fait quoi? Aïe. Direct, c'est égal, quoi, déjà, c'est égal. Ah, c'est un égal là. Okay. Ouais, et le X, faut le faire passer là. Voilà. X là. Et le 2, on l'enlève. 3 fois 2. 6. C'est très bien. Ça ressemble à rien. Allez, on y va, là, ça ressemble à rien ton équation. Allez, coupe-moi ça, je suis en train de rapper, tu filmes pas. Bah si. Parce qu'il nous a mis là, le frérot David. Et moi, je suis sûr qu'on n'est pas là. Il n'y a pas de place apparemment sur Valo. C'est pas nominatif. Je comprends ta vie à filmer, parce que comme ça, en fait, tu fous rien. Ils sont en train de porter des choses et moi, je suis tranquille, c'est parfait. Allez, travaille. Pendant que je branche, je vous fais patienter. Ouais. Qui toi? Caillou. Non, t'es pas Caillou toi. Je suis Caillou avec un K. Caillou. Ouais, le top laner. Moi, la dernière nouvelle, il était ennemi lui. Ouais, maintenant il est. Longtemps. Maintenant il a changé. Je te comprends, normalement, je te comprends. Ils étaient en train de monter les PC et du coup, moi je les filmais. Je dis, c'est bien de filmer aussi. Ouais, c'est bien. On montre rien. Bon, on a enfin passé. On ramène les derniers équipements. Alors là, on peut pas les louper. Gros colère là-bas. Salut. Ah frère, je fais plus. Te voilà enfin, t'as l'air fatigué, tiens, de se débarrasser. Bon. Tu vois? Salut. Salut. Joss. C'est moi Joss. C'est le manager Colas disparaît qui plante ma gueule. Aïe aïe aïe. Ah, regarde, y a ton prédécesseur ici. Oh, tu veux? Et Chaos, y a ton successeur là. C'est... C'est pas ouf. Ouais, pas ouf. Il m'a manqué. Ah, merci, putain. Oh. Ouais. Viens là, viens. Viens dire bonjour à papa. Ah, il est chelou, hein. Ah, il est chelou. On dort avec qui, nous, ce soir? On dort pas avec les CEO, nous. Yo, les gars, on se retrouve le matin, le samedi, avec la crotte aux yeux. Wesh. Avec un petit déj servi par l'hôtel. Avec les gadjos, les matinaux, ceux qui ont réussi à se lever avant 8h30 pour prendre un petit déj. Donc là, on se retrouve avec petit croissant, café, distribution de maillots. Restez connectés, on attend tout le monde. Ils ont bien. Art avec un accent. Let's go. Content. Contenu. Vous trouverez 6 juin le nouveau maillot Colors édition 2024. Merci à nos partenaires. Caisse d'épargne Normandie. Le centre commercial Barentin. Easy Cash Barentin, tu connais. Aussi, la communauté des communes, bien évidemment, et Barentin. Cette année, on sait que ça va être aussi un petit peu émotionnellement difficile. Il va y avoir des supporters, il va y avoir de l'intensité dans les games. On sait que vous êtes tous différents, que vous communiquez tous d'une manière différente, que vous jouez sur différents postes. C'est de cette diversité aussi que ça fait le logo de Colors Sport, d'accord? On doit tous le faire ensemble parce que sinon on va plus avoir le droit. On commence grave jusqu'à aigu. 1, 2, 3. La 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 la
Notre ami sud. Voilà, on montre où on est. Donc, je vous montre là, là, et là. Et là. Et là. Et ça m'attend. Et j'attends. Sur la faille. Qui m'attend. Qui m'attend. Ok. Tant, ya, yeah. Ça m'attend, ya. Yeah. Ah, c'est bon, c'est chaud. Je fais la grâce, ça m'attend, ok, ya, ya. Content, content. Content, content. Doulou. Contenu. Attention, il y a flash qui passe. Attention, il y a flash qui passe, s'il vous plaît. Ne prenez pas de photo avec lui, s'il vous plaît. Ne prenez pas de photo avec lui, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous. Arrêtez. Ah merde. Ne prenez pas de photo avec lui, attention. Écartez-vous, il y a un flash qui passe. Arrêtez de le regarder. Attention, attention, là il y a du monde. Écartez-vous. On est au début de la Gamer Assembly. Les matchs vont commencer. On est très content. On est très content. Toute l'équipe est là. On est partout. Voilà, on fait du bruit et on dérange. Est-ce qu'on n'est pas là pour ça finalement? Hein? C'est ça que je me pose comme question. Moi je pense qu'on est totalement là pour ça. On va tout déchirer. Les joueurs libres, en gros, c'est entre ceux qui viennent pour le public et entre ceux qui compètent. C'est vraiment le juste milieu. C'est des gens qui achètent des places et qui viennent jouer entre potes, faire des animations, pour gagner des lots, pour tryhard, pour s'amuser entre potes, faire tout ce qu'ils veulent. Okay. Et il y a une ambiance de malade. Waouh, l'enfoiré. Alors là, on en refait un dernier ou pas, là, vite fait? On a un petit coup de trompette, là. Ah ouais, il a crié, il n'y avait pas de bruit. Alors ça va bord au tribord. Trompette, ça veut dire quoi? T'as dit quoi? C'est une grand-mère qui fait la voiture. On s'arrache, on va jouer aux jeux vidéo ou on regarde. Allez. Je comprends pas. Ah pourquoi? C'est ça, on chante sur les bâtons normalement. On peut s'asseoir ou pas? Ouais. Oh là là! C'est pas le même domaine. Voilà. Non mais excusez-moi, il y a des petits problèmes. Non, c'est vraiment que les polices par contre, elles sont trompées. C'est pas le même diplôme. En tout cas, il va très bien. C'est trop gênant. Je crois que c'est un cosplay, frère. Même aussi. Chaco, mon ref, un petit mot pour le vlog, s'il te plaît. Ouais, bon bah, problème de LAN récurrent, comme tous les débuts, 5000 de ping, avantage à la décale, mais on va pas abuser quand même. Ça, c'est ça le problème des LAN. Il est dans sa bulle. Ils font les mecs, ouais, on va manger tard, alors regarde. Frérot, ça me squatte mon setup, en fait. On se rappelle de ce qui s'est passé à l'LEL avec la connexion, est-ce que tout le monde se rappelle? On est en train de vivre le même moment à la Gamer Assembly. Coucou. Il est temps de parler et de prendre position. Si vous voulez faire des LAN, demandez à Caillou, il est pro dans le domaine. Ouais, je suis pro dans le domaine. Il y en a, ils installent TeamSpeak. Il y en a, ils détectent TeamSpeak. Ah, putain, mes abdos, mec. Non, bref, s'il vous plaît, ne vous refaites pas la même qu'à l'LEL. On a attendu 20h pour que Doris fasse gap. La loose. Comment? Il y a pas un jeu qui m'a gap. Il dit des conneries, là. Non, c'est quoi, il est trop fort. Eh, on dirait pas que je suis tarpa musclé dans mon maillot. Mais t'es tarpa musclé, frère. Vas-y, contact. Ouais, voilà, ouais. Oh, ouais, je t'attends. T'as brisé mon écran, mec, je crois. Carrément, le. Un mois à la salle. Un mois à la salle. Oh là là. Ouais, Kai Kai. Ouais, oh. Oh. On a win la game, les gars. On a été viré de la LAN parce qu'on a coupé un fil blanc. Et depuis, il n'y a plus de connexion à la LAN. Apparemment, les games vont commencer. Le TFT, ça a déjà commencé là. En direct live. J'adore. Ouais, les gars, s'il vous plaît, les gens dans la rue, arrêtez de me comparer à The Great Review. Je suis pas The Great Review, mais arrêtez. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Je l'ai pas, moi, la ref. T'as pas? Tu connais pas The Great Review? Ah non. Je connais Esteban, par contre. Ça, c'est ça. C'est quoi? C'est toi? J'ai
j'essaie de faire ami-ami avec les gens de chez Valorant. Comme ça, ils peuvent peut-être me payer un skin pour la Vandal ou un Judge ou un truc comme ça. Je crois pas que ça marche comme ça, frère. T'es 4, ça va passer. Si je fais le forcing, tu vas voir. Ok. Bien, les gars. Bien joué, les gars, bien joué. Les gars, c'est le moment durant la Gamer Assembly où c'est la troisième game sur LoL et sur Valorant. Et qui dit troisième game dit match fatidique parce que cela permet vraiment de réajuster les brackets et de se dire voilà, on est là. Sur Valorant, on affronte Syco Gaming, une équipe néerlandaise qui est très forte sur le papier. Et sur League of Legends, on affronte Frost Tales, donc pareil, une équipe qui est vraiment en place. Donc on espère qu'on va gagner, vous allez voir. Full win aujourd'hui. Let's go, let's go. Je cours là, je me dépêche. Allez. Go. Esteban, excuse-moi, t'es pas joueur. Ah, ok. Attends, excuse-moi, t'es pas dans l'équipe. T'inquiète. Pourquoi non, mais vraiment à la limite. Oh, mais 15. Là, je vous le dis, on sait pas si on gagne, si on passe demain. Non, en gros, là, on est 15e, ça veut dire. C'est les 16 premiers qui passent pour le D2. Les frères, on est 15e. Ça veut dire que s'il y a deux mecs qui passent devant nous, c'est fini. Toi. Oh non, les 17e. On est 17e. C'est pas sûr, c'est pas fini. Les 17e. Ça allait bon, regardez. Non, c'est pas fini. Est-ce que tous les matchs sont finis? Non. Faut vraiment que tous les matchs sont finis pour être sûr. C'est pas fini encore. Bon, les gars, là, vous voyez la tête de fatigué. Là, on arrive à la fin. Malheureusement les frères, on passe pas sur League of Legends. On finit 20 alors qu'il fallait être top 16. Voilà. On finit 20e sur 112. Donc demain on joue le bracket d'en dessous. On va quand même jouer. Voilà. Donc il nous reste que Valo parce que TFT, pareil, on a fini 33e alors qu'il fallait être 32e pour passer demain. C'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir, c'est très compliqué. On joue ensemble, on stuff, il y a trop de fatigue pour faire des exploits. Par contre, si vous en parlez bien par un, on est dans le milieu. D'accord ? S'il y a une zone que vous prenez, que ça fait actif de l'autre côté, on avance de l'autre côté, on est rigoureux, etc. D'accord ? 1h45. 1h02. Bientôt 2h. Et on gagne bien alors. Allez les gars. Bon, en fait, il est 3h en fait. Parce que on a changé d'heure aujourd'hui. Je vois pas. Oh, t'es où mon gars? Y'a plus de line-up là! Viens là, petit. Dans le cul. Ah, tu veux pas donner d'or, moi? Viens là! Viens là, garçon! Amène-le! Je signe. Les gars, il est actuellement 4h du matin. On vient de finir la game. Le score, c'était combien, Esteban? 17-19. Non, 17-19. On a perdu 17-19. Voilà. Sur la troisième map. On a perdu 2-1 le BO. Et ça s'est fini à 4h du matin. Voilà, on va rentrer, on va se coucher. Et dans 2h, on se lève. C'est-à-dire que tu les deux en même temps travers la smoke. C'est dingue, c'est fou le chat. Ah, tellement de chat, mec. Là, le temps est morose. Comme nos morales, voilà, parce que sur LoL, c'était très dur hier d'accepter de perdre à ça. TFT, les frères, on a un joueur monstrueux avec nous. Et malheureusement, ça ne perd pas.
Regardez les retardataires. Regardez. Voilà. Et il nous reste Valo. On espère que on va gagner. On a perdu hier les quarts, donc on passe en loser bracket. Ça veut dire que on peut remonter en grande finale. On espère que Valo perd, qu'on aille sur la scène, qu'on puisse vous montrer des belles choses quoi. Je sais pas, genre. Oh le match. On joue Esprit Shonen. Oh dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a? On joue contre Esprit Shonen. Mais ils sont 10-2. Tu vas dire on va jouer contre un Chroma aussi. Ouais on va jouer contre Keria. On va jouer contre Easy Dream. Keria. Non ils sont pas en. Si c'est en France. France elle la plante. Non, non, tu peux le faire sur suppli. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le passage. Le monsieur là derrière là, il me demande du content. Mais à un moment donné, je suis à rupture quoi. À rupture en émission. Même pas besoin de brûler. En plus, les trucs qui m'appellent le support, ils commencent avec Enigit déjà. Ouais, c'est gars. Comme ça, ça vous permettait de me rattraper. La parole va me dire d'arrêter cette mélodie. Mais... continuer dessus car c'est l'après-midi, j'ai la fatigue qui tient mes nerfs. Alors allez, on va sur les setups, ça va restart. Je t'assure que non, frère. Présente-toi. Je m'appelle David Casini, je suis assistant de l'Ordre Sport. Content. Contenu. C'est folie ça. J'ai trouvé par terre. Ok, je vous présente le nouveau maillot Colors Sport édition 2024. Avec, s'il vous plaît, en plein milieu, au centre du maillot, le logo Colors Sport. L'empreinte, l'unique, le premier partenaire. Easy Cash Barentin. Allez les follow, les suivre. Ils ont une page Instagram, ils ont du bon matos, tout ça. On continue. Centre commercial Barentin. Vous voulez faire du shopping, des magasins, vos courses, acheter des livres, littérature, écriture, modernisation, actualisation. Centre commercial Barentin. Caisse d'épargne Normandie. Elle est pas belle celle-là. Pas un pixel qui dépasse. On retourne. Évidemment, maillot disponible avec flocage, hein. Sinon c'est pas marrant. Flocage disponible en majuscule, en minuscule, en hiéroglyphe. On remercie énormément la ville de Barentin. Ensuite, le dernier partenaire, la communauté des communes Coast Robert, qui réunit 9 villes. Et ces 9 villes nous accompagnent dans nos aventures. Voilà, si on est ici, c'est un peu grâce à eux. Ils nous ont fourni un véhicule. Ils nous donnent de l'argent, 10 000 euros, 15 000 euros, tout ce qu'on veut, ils nous le donnent. Voilà, c'était la présentation du nouveau maillot Colors Esport. On se retrouve bien évidemment pour l'année prochaine, avec globalement les mêmes partenaires, les mêmes sponsors. Hein. On compte sur eux, hein. On compte sur vous. Tu te demandes d'Actila, pardon. Tu vas arriver, tu vas dire ok, vous mettez de l'acti, tu vas te mettre en cadre, ok, ça retarde, de plus, 3 plus. Oui, il y a un dernier message. Attends, coupe pas. J'arrête, let's go. Nul à chier. Je l'ai en vidéo. On l'a. We got it. Là, on est en train de jouer le dernier BO pour être en grand final sur la scène. On a gagné la première map. On attend de jouer le dernier BO. Et après, on sera sur scène et on vous montrera ça, on espère. Colors! Il se passe quoi là? C'est Great Review là. Il est un fan. Non.
Ouais les gars, s'il vous plaît, les gens dans la rue, arrêtez de me comparer à The Great Review, je suis pas The Great Review. En fait c'est la première. C'est vrai? Ouais. C'est un fan de Colors. Ouais. Je vous adore. Rentre bien en tout cas. Merci à toi. Et continue ton contenu. Putain. Il parle pas de toi. Ah il s'est trompé. Il s'est trompé. Non. Il a cru que c'était très très vieux. Ah je vais câbler gros. Là tu filmes ou pas? Oui. Ah mec c'était incroyable. Regarde en plus il y a Yaro qui me dit ouais il s'est fait reconnaître et tout. Et, ouais, et là je me dis non. Je passe à côté, j'entends ce Great Review et je me dis ouais putain j'avoue. J'adore tes vidéos. Mais frère c'est lui ouais. C'est lui. Et oui. Et le mec il dit j'adore tes vidéos, je t'en oula laquelle. Et là d'un coup il dit l'équipe coréenne change. J'ai fait littéralement aucune vidéo sur l'équipe coréenne mon gars. Bah je pense que vous avez compris avec les vidéos que j'ai mises juste avant. On est en finale les frères. Ouais. Ouais on est en finale les mecs. Ouais. Je sais. Je sais ce que vous allez dire. J'ai plus de voix. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Rien à voir du tout. Parce que je viens de vous dire qu'on est en finale, vous parlez de ma voix. Vous parlez de ma voix. Les frères, demain, attendez-vous à des images d'anthologie. D'anthologie. Emblématique. Emblématique. Bon, les frères, là, on fait un petit débrief. On avait... Vous vous rappelez de la vidéo où on faisait... La 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 la... La 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 la... On fait l'update maintenant de nos voix. 1, 2, 3. La 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 la. Ok, c'est bien, c'est bien. Les gars, nouvelle journée et toujours pas de voix. Allez, restez à l'hôtel. Je vais laisser Esteban répéter ce que j'ai dit. Salut les gars, c'est Kaz. J'ai laissé ma voix à l'hôtel. Les gars, bon là c'est le moment de la finale, donc là on doit donner énormément de force à notre équipe. Et les gars, let's go Colors ensemble. Hein. Ouais, Liu. Lui, c'est un fanboy. Liu. Tu peux t'en occuper ou quoi? Excusez-moi, c'est, eh. Lui, il est bizarre, lui. Arrête avec ton truc là. Tu peux avoir un autographe? Ouais, franchement, ça y est, enfin, c'est ma première fois sur scène. Ok. Ça va se la donner. Ouais. Comment tu te sens? T'as hâte? Excité. Ok. Excité, hâte. Pas peur du tout. Je suis trop fier. Là, je vois tous les gradins, on va voir vos têtes là. Ah oui. Ah, l'entrée des stars. Oh là là. On accueille la deuxième équipe du bruit pour Colors eSports. Colors eSports, mesdames et messieurs. Salut, 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 salut. Le fan club, on l'entend. Refaites un peu de bruit là, le fan club là. Ah, ils sont bons. Non, ils sont bons. Avec vous.
Colors aime gagner. Justifié, bien sûr. Colors sont en vie. Attention, la troisième map qui arrive. Effectivement, faut pas relâcher la pression. Cette troisième étape du Valorant Open Tour France. Messieurs, dames, faites du bruit. Une ovation pour nos deuxièmes Colors eSports. Colors eSports, mesdames et messieurs, qui remporte donc 1650 euros ainsi que 375 points pour l'OTF, bien sûr. Je pense que manque de travail, peut-être, manque de discipline. Aujourd'hui, on le paie cher. Comment ça se fait? Il y avait cet écart énorme sur la troisième map. Vous aviez 6 minutes d'avance, si je dis pas de bêtises. Comment t'expliques qu'il y a eu ce renversement? Ça s'est joué quoi mentalement? Je pense qu'on manque beaucoup d'expérience, peut-être sur scène, peut-être en lab. Mais on bossera plus dur la prochaine fois pour essayer de gagner en tout cas. Les PC sont rangés. Caillou, il fout rien comme d'hab. Esteban, il fout rien comme d'hab. Voilà, fout rien et fout rien. Lui, il fout rien. Lui, il fout rien. Il n'y a que Corentin et moi. Alors, on est en train de raconter des anecdotes de foot sur TFT. J'ai appris des choses. Vous savez, Karim Benzema et Charles sur TFT. Ouais. En fait, j'ai la maladie du fan e-sport, enfin du fan de sport tout court. À chaque fois, j'ai des spasmes de chants de supporters, mais pour tout et n'importe quoi. La portière, elle est fermée. Mais ça m'arrive souvent, mais vraiment, c'est vraiment insupportable à vivre. Mais vraiment, à des moments, il n'en faut pas. Vraiment, c'est genre, oh, je suis béton, qui est dans son père, bah, béton. Désolé encore une fois, mais je suis en moment de stress, ça arrive souvent quand j'ai des moments de stress. La 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 la